Chers collègues, chers amis, dans moins de 2 mois va se dérouler le congrès de la Société francophone du diabète. Donc, nous aurons le plaisir de nous y retrouver, on l'espère tous, en présentiel. Alors, pour ce qui est du programme, comme vous le verrez, une large part a été laissée à la technologie dans le diabète, et en particulier aux boucles fermées. Tout au long des interventions de ce congrès, on verra que les boucles fermées actuellement permettent un très bon contrôle de la glycémie en situation basale, mais également en situation prandiale, sous réserve bien sûr que le comptage des glucides ait été bien fait. Il persiste toutefois un certain nombre de situations où le contrôle glycémique s'avère encore assez difficile à obtenir. Donc l'atelier auquel nous vous convions est un atelier justement dédié à ces situations particulières, en lien toujours avec les boucles fermées. L'atelier sera animé par le professeur Michael Joubert, qui est très impliqué dans la technologie dans le cadre du diabète. Interviendra également le professeur Rémi Rabaza-Loret, qui a beaucoup œuvré pour le développement des boucles fermées et qui a conduit de nombreux travaux de recherche sur la thématique sport et diabète. J'interviendrai moi-même sur la partie stress, en sachant que le stress a l'air aussi d'être un perturbateur important de la glycémie. Encore faut-il savoir de quoi on parle quand on parle du stress. Donc, il s'agit d'un atelier, on l'a voulu très interactif. Donc, il y aura de la technologie aussi dans cet atelier. On vous y attend nombreux et donc à très bientôt.